Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour une nouvelle annonce. Pour les 50 000 abonnés, aujourd'hui on passe à l'IRL qui va se passer dimanche prochain, donc le 9 juin. Et Chaussette se joint de nouveau à moi, le lapin, et on m'a dit qu'il fallait que je le tienne en mode les méchants dans les films de James Bond. Donc voilà, il y a le méchant Chaussette qui remplace les chats. Et voilà, donc l'IRL... Moi aussi je suis là. Ouais. Bah merci. Bah du coup on va changer le plan parce que t'étais pas foutu de te manifester plus tôt, merci. Bah tu présentes ton Chaussette là alors. Bah ouais, bah écoute, Chaussette, Tony... On voit pas, bouge la caméra. Mais cherchez pas, il est bourré. Bien, maintenant qu'on a modifié l'espace pour accueillir le squatter, on va accueillir une nouvelle personne. Yeah! Un nounours LanguageCraft. Tu sais que du coup, maintenant que tu l'as montré, il va plus cartonner dans les commentaires que moi. En même temps, tu peux pas test. Bah, je suis plus mignon que lui, quand même. Enfin, que deux, même. Dites-nous dans les commentaires qui est le plus mignon. Tiens, t'as le droit de le tenir, quand même. Ça, on a chacun notre... Ouais. T'as pas l'air con. Bref, IRL. Alors, IRL, le 9 juin, donc à l'occasion des 50 000, on les a dépassés, mais c'est pas grave, on va se retrouver au Bois de Vincennes, donc à la base ça devait être le Champ de Mars, mais ça va être beaucoup trop contraignant, donc le Bois de Vincennes, ce sera très bien, et on va... ce sera un goûter, donc déjà ramener tout ce qui est... ramener de la nourriture, des boissons, pas d'alcool... La drogue, alors. Donc, ça dépend. Non. Voilà, nous, on va apporter tout ce qui est gobelets, des assiettes et tout, mais essayer d'apporter, genre, je sais pas moi, une boîte de gâteaux, des trucs comme ça, donc juste pour qu'on mange tous ensemble. 15h-18h, je sais pas si je l'ai déjà dit. Je me fais vieux, donc... Donc 15h-18h au Bois de Vincennes. Je vous mettrai dans la description un plan, parce que le Bois de Vincennes, c'est très très grand, et du coup, nous, on est en train de faire quelque chose qui est genre peut-être je dirais 10-15 minutes max à pied du RER de Vincennes sur le RER A, et il y a l'arrêt Béraud et Saint-Mandé sur le métro 1 qui sont pas trop... Ah bah il y a Château de Vincennes aussi, en fait tout ça c'est pas très très loin parce qu'on est vraiment au nord du Bois de Vincennes tant qu'à faire parce qu'au sud c'est moins accessible, et on va se mettre entre l'avenue des Minimes et la route de l'Esplanade, donc c'est vraiment au tout début du bois, et donc tout ça sera vraiment, je vais faire un montage sur Paint, normal, voilà, normal, et voilà, donc suivez les indications, et on finira par se retrouver, on essaiera de faire plein de bruit, pour que vous nous retrouviez. Également dans la description, très très important, je vais mettre un GDoc, un Google Doc, avec un formulaire à remplir, même si vous ne venez pas, remplissez-le pour nous dire que vous ne venez pas. C'est assez important dans le sens où il faut qu'on ait une idée un peu des proportions de gens qui vont venir. Donc si on voit que la vidéo elle a 10 000 vues et qu'il y a 2/3 de personnes qui ne viennent pas, on va supposer... Enfin, ça commence à faire beaucoup. Hein. Oui, bah oui, ça fait trop, mais bref. Si vous venez, remplissez-le. Si vous ne venez pas, remplissez-le, s'il vous plaît. De toute façon, ça vous prendra vraiment 30 secondes. Il y aura genre deux questions. Est-ce que vous venez, oui est-ce que vous venez, oui ou non est-ce que vous apportez quelque chose, oui ou non en gros. Et également, dans les commentaires, donnez-nous des idées d'activités. Nous, on a quelques activités en tête. Mais voilà, c'est aussi la journée pour fêter les 50 000. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas. Sur ce que vous voulez faire. T'as des idées toi déjà? Bah non, justement. Tu disais on a des idées en tête, mais là moi je vois pas. Un frisbee. Ouais. Bah oui, pourquoi pas un frisbee. Oui, d'ailleurs, il faudra que j'en trouve un frisbee moi. Bref, à titre d'info, il y aura. Bon, bah, il y aura nous deux, bien sûr. Il y aura deux Deloges de l'équipe, il y aura Flubox, Scrollex, Épée Forte, Booster. Qui Kakyoku. Va, je crois que Vavadidi sera là. Chou peut-être aussi. Chou sera là. Kapal, Seychelles, Diabolo, Fayak, je suis pas sûr. Bref. Possible. Ouais. Ouais, il me semble. Donc il y aura du monde, il y aura beaucoup de gens de l'équipe. Donc voilà, vous pourrez rencontrer tout le monde,
parler des, bah, pourquoi pas des timelapses, hein, de nos derniers timelapses sur le projet musée, sachant que deux jours avant, on reviendra d'Anvers, donc on aura été pour le vernissage. Donc vous aurez, vous pourrez nous poser plein de questions, on pourra vous montrer des photos, des vidéos. Également, nous, on va prendre des photos et des vidéos avec vous. Donc c'est l'occasion de vous retrouver sur la chaîne. Et voilà, je crois que ça fait à peu près le tout. Toutes les infos sont résumées dans la description. Est-ce que tu as envie de faire des précisions par rapport au concours de graphisme, toi ? Pourquoi pas en profiter ? Bah là, pour l'instant, ouais, comme tu n'avais pas donné énormément de précisions, pour l'instant, on va juste faire totalement libre t-shirt. Donc vraiment t-shirt, vous faites un dessin n'importe lequel. Dans la description, il annonçait qu'on cherchait surtout des web designers, mais là, on... Vous oubliez ce détail. Voilà, c'est vrai, mais en l'occurrence, si vous faites du web design pour le concours spécifiquement, vous serez hors sujet. Ceci dit, contactez-nous quand même parce que c'est ce qui nous intéresse, quoi. Donc voilà, pour ce concours-là, vous faites ce que vous voulez, mais n'oubliez pas que ce sera sur un t-shirt. On veut pas de scan de dessin, on veut vraiment quelque chose qui soit quand même numérique. Après, vous pouvez dessiner, le scanner, mais le retravailler derrière. Et voilà, éclatez-vous. Faites-nous des trucs de dingue. C'est ça. Voilà. Écoutez, je crois que ça résume à peu près tout. Merci de nous avoir suivis. Votez pour moi. Non, pour moi. Lui, il est pas beau, et lui... Mais il est très très beau, et vous pouvez le trouver sur languagecraft.spreadshirt.fr. C'est vrai. Quoi ? Il est bien. Oui, oui, il y a les bien. Mugs aussi. Il est pas là, mon mug. Non. On a tous les deux des mugs Languagecraft, là, ça pète. Bientôt, bientôt, on pourra ouvrir notre bureau. Je veux dire, c'est le premier pas, hein, pour avoir un bureau. Mm. Et ouais. Prochain pas, les secrétaires. Et puis le suivant, c'est un Languagecraft à la place de TF1 à Paris. Mm. Et puis l'étape d'après, ce sera de s'acheter des bureaux. Ah, non, moi je voulais viser direct Hollywood, mais écrire Languagecraft à la place. En fait, on fait de la pub, mais on n'a pas de bureau physique, c'est ça. Ouais, mais ça viendra. Mais après, les secrétaires. Si vous avez des bureaux. Voilà. Bref, merci de. Ouais. Merci de nous avoir suivis dans nos vagabondages de l'esprit. Franchement, ça va là. Ça va. Vous devriez nous voir tard le soir. C'est ça, il est que 13h32 du matin, donc ça va encore. Ça va. Un jour du matin, pour une fois, on s'est levé avant minuit. C'est vrai. On s'est levé très tôt. Ouais. On va se recoucher. Salut à tous. Salut.